proche. Soit il se recule, il se recule, il se recule. Il se finit par sortir de la zone surface de coma, il se fait pénaliser. Soit il recule et sous la pression, je mets un tennis, je mets le kai pour marquer l'ippon. Soit il recule mais il se sent en danger, il se ferme un peu et je vais saisir pour déplacer et attaquer. D'accord? Donc, on marque ippon sur attaque, défense. On marque ippon sur contre et on peut marquer ippon, je vais faire avec le kai. Ça va faire peur un peu. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez travailler aussi ces enchaînements-là. Un travail, je lève. Voilà. Uraken, Yakutsuki. On monte, Uraken, Yakutsuki. On fait un peu les deux. Hop. Uraken, Yakutsuki. Voilà. On peut travailler pareil. Uraken, monte, feinte. Uraken, Yakutsuki, Mawashigiri. Uraken, Yakutsuki, comme hanché ici. Mawashigiri. Ou l'inverse. Je casse la distance, Maigiri, Maite ou Raken, pardon. Yakutsuki, je viens croiser et je frappe. Alors là, j'ai croisé devant, peu importe. On croise derrière, on croise devant, peu importe. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, ça suffit. Pour une petite séquence, je vais dessus, fighting, Atemi. Là, j'ai insisté sur les Atemi. Et bien sûr, après, il y a du travail, en situation de. Travail. Il faut être dynamique. Hein. Je vous en prie, c'est à vous, messieurs, dames.